Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer par un double hommage. Jules Vuillemin nous a quittés il y a 6 semaines. J'avais suivi ses enseignements à l'École normale supérieure du boulevard Jourdan avant qu'il ne devienne professeur au Collège de France. Il nous décortiquait la preuve ontologique de l'existence de Dieu à la manière de Bertrand Russell et nous montrait avec enthousiasme que l'apprentissage de la logique mathématique était indispensable aux philosophes. Il encouragea ma résolution d'aller apprendre aux États-Unis la logique et la philosophie des sciences. Il fut donc au point de départ de l'itinéraire qui m'amène devant vous. Mon époux Jean Largeau était aussi un philosophe des sciences et qui connaissait la logique. Il prétendait ne rien entendre aux sciences du vivant, mais il fut un bon compagnon de route et il me manque. J'eusse aimé qu'il fût près de moi ce soir. Il y a juste 3 ans, Pierre Corvol me téléphona à l'Institut d'Histoire des Sciences de la rue du Four. On pensait à moi, me dit-il, pour le Collège de France. Cette éventualité me parut si merveilleusement improbable que je lui répondis que la seule idée que des biologistes aient pu songer à pareille chose était pour moi une joie suffisante. Cette chose s'est réalisée et je vous ai, mes chers collègues, beaucoup de gratitude pour votre accueil fraternel qui m'a rendu presque facile le lent cheminement qui mène des hypothèses préliminaires jusqu'à la leçon inaugurale. J'ai été particulièrement sensible à ce que Pierre Corvol, médecin, et Jacques Bouvresse, philosophe, joignent leurs efforts pour présenter la candidature de l'hybride de philosophe et de médecin que je suis. Cette double formation n'est pas rare. Au-delà de ma personne, je suis heureuse qu'en créant cette chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales, le Collège de France honore une communauté de philosophes médecins ou médecins philosophes qui s'honorent de grands ancêtres, Avicenne et Averroès, Lamétrie et Cabanis, Émile Littré et Karl Jaspers, sans oublier Galien. Cette communauté a été et elle est bien représentée dans la tradition française récente par Georges Canguilhem, François Dagonier, Georges Lanthéry-Laura, Anne-Marie Moulin et d'autres plus jeunes qui prennent la relève. Cette communauté est en même temps une communauté internationale avec Henrik Wolff à Copenhague, Hank ten Hav en Imeg, Tris Engelhardt à Houston, Texas, Eric Levy à Peoria, Qiu Renzong à Pékin, Kazumasa Hoshino à Kyoto, Jean-Noël Missa à Bruxelles, pour n'en nommer que quelques-uns. Dans l'histoire du Collège de France, on trouve plusieurs transfuges de la philosophie. Ce lieu de liberté intellectuelle qu'est le Collège a toujours été propice au franchissement de barrières disciplinaires. La recension par Alain Berthoz des leçons faites au Collège autour des neurosciences ne signale pas moins de 4 philosophes, Théodule Ribaud, Pierre Janet, Henri Pierron, Henri Vallon, qui, complétant leur formation première par un doctorat de médecine ou de sciences, furent les initiateurs, ici, de la psychologie expérimentale. On trouve aussi, dans l'histoire du Collège de France, des médecins et biologistes, de François Magendie à Jean-Pierre Changeux, en passant par Claude Bernard, qui, sans conteste, se sont aventurés en terrain philosophique. François Magendie, par exemple, qui occupait une chaire de médecine et qui avait créé un laboratoire de physiologie expérimentale, n'était pas fermé à ce que nous appelons aujourd'hui les questions d'éthique. Claude Bernard raconte qu'au temps où il était préparateur dans le laboratoire de Magendie, un jour un Quaker s'est présenté. Ce Quaker était un défenseur des animaux. Claude Bernard dit avoir été frappé de la patience avec laquelle son maître Magendie, qui n'était pas la patience même, prit le temps de discuter avec ce visiteur et de développer des arguments méthodologiques et moraux en faveur de l'expérimentation animale.
Magendie a aussi, comme plus tard Claude Bernard dans ses leçons sur les phénomènes de la vie, laissé des réflexions sur la nature du vivant qui relèvent de ce qu'on nomme philosophie biologique. Je n'ai guère besoin de rappeler que Claude Bernard, qui succéda à Magendie dans sa chaire de médecine, a fait œuvre d'épistémologue et que ses pages sur la méthode expérimentale ont formé des générations d'élèves des classes terminales de philosophie. Moins cité dans les manuels, Charles Nicolle, médecin et pastorien, qui dirigea pendant 30 années l'Institut Pasteur de Tunis et qui obtint le prix Nobel de médecine en 1928 pour avoir élucidé le rôle du pouls dans la transmission du typhus. Charles Nicolle devint professeur au Collège de France en 1932, après son prix Nobel, et son cours de 1934 sur l'expérimentation en médecine est à la fois un cours d'épistémologie et un cours d'éthique qui soulève les problèmes de la souffrance des animaux de laboratoire, des risques qu'on fait prendre aux êtres humains que l'on soumette à des expériences, ou de la licéité de créer des modèles animaux des maladies humaines. Plus près de nous, les livres de François Jacob, ceux de Jacques Monod et de François Gros, sont actuellement des livres de référence pour les étudiants en histoire et philosophie des sciences. J'en reviens aux philosophes du Collège de France pour constater que ceux qui, au Collège de France, ont enseigné la philosophie ont plus d'une fois vagabondé du côté des sciences du vivant. Je dirais juste un mot de Bergson, Gilson et Michel Foucault. Henri Bergson, élu au Collège en 1900 sur une chaire de philosophie grecque et latine, glissa 4 ans plus tard vers la chaire de philosophie moderne, où il succédait à Gabriel Tarde. Et vous savez que sa réflexion s'est nourrie de lectures scientifiques, particulièrement en biologie de l'évolution. Il s'est risqué à écrire à la fin du premier chapitre de son grand livre de philosophie morale, livre qu'il mit de longues années à mûrir après qu'il eut publié L'évolution créatrice. Il s'est risqué à écrire que toute morale est d'essence biologique. Il voulait dire par cette formule sur laquelle je reviendrai que la morale ne se réduit pas à une contrainte sociale ni à une contagion sociale, qu'elle prend ses racines plus profondes dans l'individu biologique. Il ne dit pas que la morale est inscrite dans nos gènes, mais d'autres, au XXe siècle, l'ont dit après lui. On sait moins qu'Étienne Gilson, qui enseignait au collège l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge, écrivit un délicieux petit ouvrage sous-titré « Essai sur quelques constantes de la biophilosophie », où il fait faire à son lecteur une promenade d'Aristote à Darwin et retour, c'est le titre du livre, décochant au passage une flèche assassine en direction de la biophilosophie de Bergson et traitant à sa manière d'historien des thèmes qui sont encore aujourd'hui présents dans la philosophie des sciences du vivant, mécanisme et finalisme, adaptation et sélection, caractère naturel ou artificiel des classifications biologiques. Ce livre parut un an après le livre de François Jacob sur la logique du vivant, et Gilson, avec une pointe de malice, suggère à la fin de son propre livre que François Jacob rend compte de la finalité dans le monde vivant en termes de projet, de sens, de structure, exactement au sens d'Aristote. Sous la plume de Gilson, c'était le plus beau des compliments pour la biophilosophie d'un biologiste.
Michel Foucault, enfin, outre son œuvre bien connue sur la préhistoire de la psychiatrie, livre des intuitions épistémologiques percutantes, par exemple quand il note, dans La naissance de la clinique, l'importance du voir, de l'invisible rendu visible dans la constitution du savoir médical. Il s'agissait, pour la période dont Michel Foucault parle, le début du XIXe siècle, de l'ouverture du cadavre à l'autopsie, qui fut au départ de la méthode anatomoclinique. Le développement fantastique de l'imagerie médicale à la fin du XXe siècle rend encore plus séduisant le diagnostic foucaldien que, je cite, « le principe de la visibilité a pour corrélatif celui de la lecture différentielle des cas », c'est-à-dire que rendre le mal visible permette à la connaissance scientifique d'atteindre le niveau de l'individu, alors que depuis Aristote, on répète qu'il n'y a de science que du général. Par ce tour d'horizon, j'ai voulu montrer, chers collègues, que la chaire que vous me faites l'honneur de me confier, si elle est sans généalogie, n'est pas sans antécédents riches et complexes au Collège de France. Mesdames, Messieurs, ayant mentionné en peu de minutes tant de grands hommes, je me sens à présent toute petite et frêle pour présenter la philosophie des sciences biologiques et médicales. Les expressions « sciences de la vie et de la santé » ou « sciences biologiques et médicales » qui sont d'usage courant sont en fait redondantes. Les sciences médicales font évidemment partie des sciences biologiques. Nous portons par égoïsme d'espèce un intérêt particulier à l'investigation des maladies et de la santé humaine, mais il y a des sciences vétérinaires et des maladies des plantes. Bichat, dans son Anatomie générale, donnait comme l'une des caractéristiques distinctives des phénomènes du monde vivant qu'il présente des formes normales et pathologiques, tandis qu'il n'y a pas de pathologie des phénomènes du monde physique. Une onde électromagnétique ne tombe pas malade. Un pouls, oui. Un rosier, oui. Je vais pourtant profiter de l'avantage donné aux sciences médicales dans la formule pour expliciter la perspective philosophique que donne sur les sciences du vivant le fait de les aborder par la médecine. Ce sera mon premier point. Je parlerai ensuite de la philosophie des sciences du vivant comme philosophie de la connaissance ou philosophie théorique. Ce sera mon second point. Je parlerai enfin de la philosophie des sciences du vivant comme philosophie pratique ou morale. Ce sera mon troisième point. Premier point, donc, ma ligne directrice qui part de la médecine. Comme monsieur l'administrateur vient de le rappeler, la philosophie des sciences est ma formation première, la médecine pour moi une formation seconde. J'ai tenu, une fois médecin, à avoir en marge de mon activité principale d'enseignant-chercheur en philosophie un exercice médical régulier, quoique très limité. Vous avez accepté, mes chers collègues, que je le poursuive. Comme médecin, je ne suis ni enseignant ni chercheur, je suis un médecin ordinaire, psychiatre, qui travaille au sein d'une équipe à l'hôpital public. Ce choix d'exercer la médecine peut se justifier par la raison qu'une pratique médicale, surtout dans le cadre des urgences où l'on voit passer bien des misères humaines, est un antidote à la distraction philosophique et qu'elle garde aux philosophes les pieds sur terre. Mais il y a plus. Étienne-Émile Beaulieu disait dans sa leçon inaugurale que, tout en défendant avec Jacques Monod les droits d'une recherche scientifique libre, animée par le seul désir de savoir, sans finalité directement humanitaire, un médecin-chercheur tient compte, au moins obliquement, des applications possibles de ses travaux et qu'il se sent responsable du devenir de ses inventions. La perspective que donne à une philosophie des sciences du vivant l'abord médical
Je vais l'esquisser à travers une réflexion sur le sens que peut prendre aujourd'hui une petite phrase que l'on trouve dans un traité de la collection hippocratique, le traité de la bienséance. Cette phrase est, je cite, « Il faut transporter la philosophie dans la médecine et la médecine dans la philosophie. » La traduction est 10 000 litres. Transporter la philosophie dans la médecine. Non, ce n'est pas prêter à la philosophie une vertu thérapeutique. La philosophie n'est pas un remède. Transporter la philosophie dans la médecine, c'est faire sortir la médecine de l'empirisme, la rendre rationnelle et scientifique. C'est le sens précis de la maxime hippocratique selon les commentateurs. Et c'est aussi ce que dit Claude Bernard, qu'il faut que les étudiants en médecine acquièrent, je cite Claude Bernard, une compréhension philosophique et raisonnée des choses au lieu de se bourrer la mémoire avec des minuties. Fin de citation. Claude Bernard, promoteur de la médecine expérimentale, s'est beaucoup battu pour que la médecine sorte du conservatisme empiriste, pour que les jeunes médecins ne fassent pas seulement de la clinique, mais aussi du laboratoire, pour qu'ils apprennent l'esprit critique et le raisonnement expérimental. Claude Bernard raconte que lorsque la place, au début du XIXe siècle, avait réorganisé l'Institut, il avait créé une section de médecine et de chirurgie dans l'Académie des sciences. Et la place s'était attirée des critiques, on lui disait « les médecins ne sont pas des savants, la médecine est encore à l'état de l'empirisme ». La place aurait répondu, citation, « je ne mets pas les médecins à l'Académie des sciences parce qu'ils sont des savants, mais pour qu'ils soient avec des savants ». Pourquoi est-il si important que les médecins deviennent des savants ? Parce qu'on peut faire beaucoup de mal à vouloir faire du bien quand on est ignorant. Parce que le zèle à faire du bien, s'il n'est pas accompagné de la rigueur et de la prudence scientifique, est dangereux. Les médecins ont été très lents à intérioriser les conduites de la recherche scientifique. L'humanisme médical qui commandait que l'on soit d'abord au service du malade et de sa guérison paraissait interdire que le malade réduit à un cas soit instrumentalisé comme source de données au service de la science et éventuellement étudié avec d'autres cas semblables dans le cadre d'un protocole expérimental standardisé dont l'objectif était de dégager de l'étude une connaissance généralisable. Soignants ou chercheurs, individuellement, beaucoup de médecins vivent encore cela comme un dilemme inconfortable. Mais collectivement, pour la profession médicale, il n'y a plus de doute aujourd'hui, les médecins ont une obligation de recherche. Le Comité consultatif national d'éthique avait parlé en 1984 d'un devoir d'essai. Les médecins ont en même temps une obligation de soins, j'y viens, et je vais argumenter qu'ils doivent tenir les deux. Je relis la petite phrase du traité de la bienséance. Il faut transporter la philosophie dans la médecine et la médecine dans la philosophie, et j'en viens à la seconde partie de la phrase. Transporter la médecine dans la philosophie. La médecine naît d'une demande de soins, comme Guilhem le soulignait souvent, et dans les termes où l'exprime Hans Jonas, le médecin est sensible à l'injonction de la souffrance et du handicap, comme si les faits réclamaient son intervention. Répondre à la demande de soins par une médecine responsable, rationnelle, philosophique, c'est adopter une position philosophique. Être médecin n'est pas neutre philosophiquement. La philosophie implicite de l'acte médical se résume en trois affirmations. 1.
il y a du mal. C'est toute une métaphysique. 2, il faut y porter remède. C'est toute une morale. 3, les efforts pour y porter remède sont dérisoires. Ironie socratique. Mais cela n'empêche pas de continuer pour l'honneur. Je reprends. 1, il y a du mal, de la souffrance, du malheur. La nature n'est pas bien faite. La nature n'est pas toute bonne. Souvenez-vous de Voltaire. Je cite, « Qu'est-ce qu'optimisme ?» disait Cacambo. « Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Même Georges Canguilhem, qui insiste sur la capacité des organismes à surmonter la maladie en ajustant leurs normes, laisse échapper une allusion au mal radical, inextirpable, que sont certaines maladies génétiques ou du développement précoce. Il y a des enfants autistes qui s'automutilent. Il y a du mal. Vision tragique de la nature. 2, il faut remédier aux maux dont les humains sont affligés. Et si on le doit, on le peut. Cela signifie que, d'une part, avec l'idée que la santé est un élément important du bien-vivre, il y a derrière le souci de remédier une morale de la recherche du bien, du mieux, et une morale de la solidarité avec ceux qui souffrent, induisant l'engagement de les secourir. Cet engagement implique volonté de combattre le mal, donc l'affirmation intrépide, prométhéenne, que puisque la nature n'est pas bonne, on va la corriger, on va la refaire en mieux. C'est une visée intrépide, impertinente, blasphématoire, diraient certains, à travers laquelle on perçoit comment le zèle humanitaire s'accorde avec une exigence de recherche scientifique parce qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions. S'appuyer sur une médecine fondée sur des données, une médecine rationnelle, une médecine lucide, donc ouverte à la prise de conscience de la distance entre ce qu'on sait faire et ce qu'on voudrait pouvoir faire. Les pastoriens, au début du XXe siècle, parlaient de lutte contre la mort, une formule quelque peu donquichotesque, si on réalise qu'on n'a jamais empêché personne de mourir. Sans aller jusque-là, on ne peut guère éviter d'avoir à l'horizon de sa conscience de médecin le sens de la distance entre les meilleures performances médicales accomplies par des praticiens entraînés, soutenus par des équipes de recherche de pointe dans quelques hôpitaux bien équipés de pays développés, et la qualité ordinaire et inégale des soins auxquels accède le commun des gens. Toutes les femmes n'accouchent pas dans un environnement high-tech à la maternité Port-Royal. En Afrique, les malades du sida n'ont pas accès aux multithérapies. En République de Guinée, il y a quelques années, j'ai pu constater que même les médicaments contre le paludisme, qu'on peut se procurer à Paris dans n'importe quelle pharmacie, et pour pas cher, n'était pas disponible. Dans cette perspective, un geste médical est une goutte d'eau dans la mer quand on voit ce qu'il faudrait faire. Cela n'empêche pas de se sentir tenu de le faire. Bref, je tiens qu'une médecine qui tient ensemble son obligation de recherche et son obligation de soins prend un engagement philosophique. Cet engagement est-il cohérent ? L'évolution scientifique de la médecine, c'est-à-dire l'incorporation à la médecine des impératifs de la recherche et d'une recherche instrumentée, technologique, est souvent assimilée à une déshumanisation. On parle de barbarie technoscientifique, de glissade vers l'enfer biomédical. Et ce qui est préconisé pour éviter la dérive technoscientifique
et le plus souvent un retour en arrière. On cherche dans les médecines dites douces des recettes ancestrales. On rêve d'un retour à Hippocrate, thème récurrent dans la médecine. Les retours à Hippocrate, il y en a eu au moins une quinzaine depuis deux siècles. Et thème illusoire, car la médecine hippocratique se voulait rationnelle, non pas empirique, et elle n'était pas douce. Je pense qu'il est fallacieux d'opposer à la barbarie de la science dure une médecine dite douce parce que traditionnelle et holiste. Je vais argumenter en ce sens, en m'inspirant d'une formule d'Alvan Feinstein qui, en 1983, disait à peu près ceci, je cite, « Ce n'est pas en étant moins scientifique que nous serons plus humains, c'est en étant plus et autrement scientifique. » Tout est dans le « autrement ». Charles Nicolle, j'ai déjà parlé de lui, celui du pouls. Charles Nicolle était médecin spécialiste de maladies infectieuses. Il était en même temps chercheur. Dans son cours au Collège de France de 1934, il rappelle les expériences de vaccination contre la rage faites par Pasteur et dit ceci. Pasteur a injecté sa préparation de virus rabique vivant, vivant atténué, mais vivant quand même, à des personnes qui avaient été mordues par des chiens et dont on ignorait si elles avaient été contaminées par le virus de la rage. Charles Nicolle dit « Si j'avais été à la place de Pasteur, je ne l'aurais pas fait, moi, médecin. » Pasteur n'était pas médecin. Charles Nicolle dit « J'aurais été arrêté par l'effroyable pensée d'une rage d'origine expérimentale. » Charles Nicolle, pour autant, ne juge pas Pasteur. Il dit que Pasteur avait la témérité du chercheur, qu'il avait du génie et qu'il a eu de la chance. Chez Pasteur, dit-il, car beaucoup d'inoculations expérimentales de maladies au XIXe siècle ont eu des résultats catastrophiques. Chez Pasteur, dit-il, le savant l'a emporté sur l'homme. La différence entre la conduite du chercheur pur et celle du chercheur médecin est sans doute très petite. Ils veulent tous les deux trouver un remède à une maladie. Mais le chercheur, absorbé par son hypothèse de recherche, fonce et ne voit rien d'autre. Il ne perçoit plus le contexte. Le médecin contextualise son geste et juge que toute intéressante que soit l'expérience, il doit suspendre. Charles Nicolle ne dit pas qu'il faut faire ainsi. Il suggère que, chez les médecins, le savant risque moins de l'emporter sur l'humain. Il dit aussi dans son cours, « Aux expérimentateurs, je demande d'être humain. » Tout est là et c'est généralisable à l'ensemble des sciences du vivant, voire peut-être aux sciences de la Terre. Lorsque Paul Berg et ses collègues biologistes, en 1974, ont appelé à un moratoire sur les manipulations génétiques, quand il en a été discuté à la conférence d'Asie Omar, l'attrait scientifique des nouvelles méthodes de génie génétique a été contrebalancé par la prise en considération du risque que des bactéries génétiquement modifiées puissent se disperser dans l'environnement. Dans un cas comme celui-là, le biologiste n'a pas poussé la patiente savoir jusqu'à laisser sans précaution se disséminer dans la nature des micro-organismes pathogènes étudiés au laboratoire ou prendre le risque que cela arrive. Dans la typologie de Charles Nicolle, ils se sont conduits en médecin. Cette approche
peut être élargie aux sciences de la Terre. Un chercheur de l'Institut de physique du globe, nous parlant au séminaire de philosophie des sciences de la régulation des cycles géochimiques qui caractérisent le système Terre, expliquant le rôle de la biosphère dans ces cycles et l'influence de l'activité humaine ou de la technosphère sur l'effet de serre, par exemple, nous a expliqué que les chercheurs en sciences de la Terre commencent à se soucier d'une géoéthique qui analyse les effets de la biosphère et de la technosphère sur les équilibres terrestres dans la perspective du maintien en bon état du système Terre. Être autrement scientifique, c'est être rigoureusement scientifique et admettre que la visée scientifique n'est pas détachable de la question « Quel genre de monde voulons-nous pour nous-mêmes et nos descendants ?» Être autrement scientifique, c'est récuser l'idée facile de la séparation entre une culture scientifique naturaliste, réductionniste et donner la fragmentation des disciplines sans perspective d'ensemble, et d'autre part une culture humaniste ou une anthropologie philosophique qui se développerait en toute ignorance, voire dans la frayeur, de ce que les sciences de la nature nous apprennent sur notre univers et sur nous-mêmes. La complémentarité, le balancement entre sciences et philosophie de la nature d'un côté et anthropologie philosophique de l'autre a été l'un des thèmes récurrents du séminaire de philosophie des sciences que depuis 10 ans Bertrand Saint-Cernin, Daniel Andler et moi avons animé. Ce séminaire a été et reste pour moi un milieu de travail chaleureux et fécond et je salue ici tous ceux qui ont participé aux travaux du séminaire et leur dis combien j'ai aimé et j'aime toujours travailler avec eux. J'en viens à mon second point, la philosophie des sciences de la vie et de la santé comme philosophie théorique. Pour un philosophe formé, comme je l'ai été aux États-Unis, à une philosophie des sciences issue du positivisme logique de l'école de Vienne, la découverte par la suite des sciences biomédicales fut un choc. Je dois à mon maître Patrick Soupice de l'université de Stanford d'avoir tenu le choc. Patrick Soupice a été un vrai maître en philosophie, il m'a appris à travailler. Il reste la générosité intellectuelle même. Il fit au Collège de France en 1979, à l'invitation de Jules Vuillemin, une série de conférences qui ont été publiées sous le titre « Logique du probable ». Je dois par ailleurs à Daniel Schwartz de m'avoir enseigné le traitement statistique de la variabilité biologique et à Jacques Merleau-Ponty d'avoir été un interlocuteur exigeant et toujours instructif et amical sur le sujet de l'explication causale. L'orthodoxie épistémologique des années 60-70 voulait qu'il y eût unité de la science et qu'une science se présentât sous forme de théorie axiomatisée ou axiomatisable, qu'elle énonçât des lois universelles de la nature et qu'expliquer un phénomène consistât à montrer qu'il se déduit logiquement des lois universelles de la nature. Rien de tout cela, ou presque, dans les sciences biomédicales. Virologie, endocrinologie, épidémiologie, aujourd'hui génomique, un foisonnement de sciences diverses dont aucune ne se conforme au paradigme canonique de la physique mathématique. Moins de systèmes d'équations que de modèles, pas de lois universelles, mais des généralisations, souvent nichées dans un vocabulaire conceptuel, immunité, hormones, fécondation, aujourd'hui transgenèse, clonage. Ces sciences sont-elles purement descriptives et donc pas encore tout à fait scientifiques ? Non point, elles regorgent d'explications, mais ce sont des explications par des cycles parasitaires, par des cascades enzymatiques, des séquences causales complexes qui ne sont pas des chaînes déductives. Un trait supplémentaire avait de quoi intriguer l'étudiant que j'étais.
enseignez avec autorité aux futurs médecins les connaissances apprises une année, ce périmètre d'une année sur l'autre. J'eus la curiosité d'aller regarder comment ces connaissances étaient produites. Une philosophie des sciences du vivant se pose schématiquement deux types de questions. Des questions d'épistémologie, comment s'y prend ce vivant particulier qu'est l'être humain pour connaître le monde vivant dans sa généralité, et des questions d'ontologie, ou si on veut être prudent, de phénoménologie, qu'est-ce que être vivant ? Ce qu'est une épistémologie intrinsèque a été excellemment caractérisé ici même par Gilles Gaston Granger dans sa leçon inaugurale, je n'y reviens pas. Je dirais simplement que faire l'épistémologie d'une discipline comme l'infectiologie, la science des maladies infectieuses, c'est se demander comment dans cette discipline on trouve, comment on prouve et comment on explique. La diversité des sciences du vivant fait qu'on y observe une large variété de stratégies de découverte, de preuves et d'explications scientifiques. Les stratégies heuristiques, comment on trouve, feront l'objet du cours de cette année. Une stratégie heuristique est une stratégie de découverte ou d'invention. Se demander comment s'opère la découverte, c'est se demander comment les idées sortent des faits. Charles Nicolle raconte que l'idée qui lui a valu son prix Nobel de médecine a jailli dans son esprit au moment où, arrivant un matin à l'Institut Pasteur de Tunis, il a dû enjamber le corps d'un homme qui, atteint du typhus, s'était traîné jusqu'à l'hôpital de l'Institut. Il était mort sur le seuil. Le déclic qui a libéré l'hypothèse a été cette pensée qu'il a traversée : la maladie s'arrête à la porte de l'hôpital. Les histoires de ce genre abondent. Un déclic n'est pas une méthode. Et on peut se demander à juste titre si dans quelque science que ce soit, il y a des méthodes pour trouver les bonnes hypothèses. C'est le problème savant de l'induction ou de l'inférence inductive, un classique de la philosophie des sciences, dont j'ai la naïveté de croire qu'il apparaît sous un jour intéressant à la lumière d'exemples tirés des sciences du vivant. Ainsi, j'entends encore François Cuzin, biologiste, me dire, parlant de sa stratégie de recherche, « Il faudrait d'abord que je construise ma souris. » Les stratégies de preuve ou de validation des hypothèses sont très différentes selon qu'elles relèvent de la méthode historique ou de la méthode expérimentale. Je me suis surtout intéressée jusqu'ici aux essais contrôlés randomisés qui relèvent de la méthode expérimentale. Claude Bernard disait que toute preuve pour être convaincante appelle une contre-épreuve. La méthodologie des essais contrôlés randomisés, qui est d'usage courant en médecine depuis les années 1950, conjoint élégamment la preuve et la contre-épreuve. C'est en partie en pensant à ce type d'essai que s'est explicité au cours de la seconde moitié du XXe siècle une éthique et une réglementation de la recherche scientifique sur l'être humain. Le cas de ces essais montre très bien comment les difficultés techniques et les difficultés éthiques sont intriquées et que les problèmes éthiques ne sont pas des problèmes plaqués de l'extérieur, mais des problèmes intrinsèques inhérents à la démarche scientifique. Sur les stratégies explicatives, j'ai beaucoup travaillé et publié, j'ai aussi beaucoup aimé écouter. Michel Morange nous a parlé une fois au séminaire de philosophie des sciences de la complication des chaînes causales qui traversent plusieurs niveaux. Ainsi, on dit « la mucoviscidose s'explique par une anomalie génétique, mais de l'anomalie à l'expression clinique de la maladie, il y a une longue chaîne de causes et d'effets touchant la cellule, le tissu, l'organe et finalement l'organisme tout entier, qui fait que l'explication n'est pas du tout directe ni simple ». Pierre Corvol aussi parle de la difficulté des raisonnements verticaux qu'on fait en médecine et qui croisent les niveaux horizontaux des sciences. Pour résumer succinctement les conclusions auxquelles j'avais naguère abouti touchant l'explication causale, il me semblait que l'explication causale relève d'un jugement qui fait intervenir en proportions diverses selon les cas
des éléments historiques, une histoire étiologique, des éléments de calcul, une inférence statistique, et des éléments décisionnels, un choix impliquant des critères de pertinence. Le séminaire de cette année porte sur le rôle des probabilités dans les sciences biomédicales et sur ce que les mathématiciens français du XIXe siècle ont appelé « recherche des causes par les probabilités ». Le caractère probabiliste des démarches épistémologiques dans les sciences de la vie est en partie lié à l'imperfection de nos connaissances, il est lié aussi à la précarité même de la vie, variabilité des vivants, point de contingence dans l'histoire de la vie sur la planète Terre. C'est dire qu'il est illusoire de séparer complètement les questions d'épistémologie des questions d'ontologie. Sur les questions d'ontologie biologique, le philosophe que je suis se sent modeste. À la question « qu'est-ce qu'être vivant ?», ce sont toutes les sciences du vivant ensemble qui élaborent une réponse, et elles ont encore beaucoup de travail devant elles. Il semble que les biologistes soient mieux placés que les philosophes pour tenter des synthèses provisoires. Jacques Monod n'avait-il pas donné à son livre « Le hasard et la nécessité » le sous-titre « Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne ». Il m'est arrivé de penser que trois pages d'August Weismann sur la vie et la mort sont de meilleure facture philosophique que tout ce qu'un philosophe peut faire. Pourtant, comme mes collègues philosophes du vivant, Claude Debru, Jean Gaillon, je me suis hasardée à aborder des questions d'ontologie biologique, par exemple à propos des greffes d'organes ou du statut de l'embryon humain. L'échange transdisciplinaire me semble particulièrement fructueux sur ce terrain et j'espère avoir beaucoup d'occasions de le pratiquer au Collège de France. Je voulais ici prendre deux exemples de réflexion d'ontologie biologique sur la différence entre maladie et santé et sur les neurosciences, mais je vais glisser rapidement car j'ai peur de prendre trop de votre temps. J'étais là dans les tâches spéculatives, mais il n'y a pas que des tâches spéculatives. Vers la fin des années 70, tandis que je travaillais sur la logique des raisonnements diagnostiques, on parlait beaucoup alors de diagnostic assisté par ordinateur, de machine diagnostique, Paul Ricoeur me demanda un article sur science et éthique. J'étais totalement ignorante de la vague bioéthique qui commençait à déferler en Amérique du Nord. La question me sembla futile. Mais je ne pouvais rien refuser à Ricoeur. Et en travaillant la question, je réalisais qu'elle n'était point futile. Puis, au début des années 80, la vague bioéthique déferla jusqu'à la faculté de médecine de Créteil, où je travaillais. Il m'était arrivé de penser que des sujets comme la logique du raisonnement diagnostique, c'est-à-dire une question théorique, hein, ou comme la définition de la santé et de la normalité, devrait être enseigné aux étudiants en médecine. Mais la philosophie des sciences sous l'angle théorique n'intéressait à cette époque-là à peu près personne. Tandis que pour la philosophie des sciences sous l'angle éthique, il y eut une demande venant d'abord des professionnels médecins et chercheurs, puis une demande sociale. Et il faut avouer que même pour un philosophe depuis longtemps persuadé que, comme le dit à peu près Paul Valéry, un exercice philosophique n'est pas plus utile qu'une fugue en ré mineur, pouvoir contribuer à une réflexion collective pour laquelle il y avait une demande de philosophie a été une bonne expérience. Et j'arrive à mon troisième point, la philosophie des sciences de la vie et de la santé comme philosophie morale. Vous êtes bien conscient que l'impact direct ou indirect de la recherche biologique et médicale sur la santé humaine, sur la sécurité alimentaire, sur les équilibres écologiques, a soulevé dans la seconde moitié du XXe siècle de vives controverses auxquelles le citoyen est aujourd'hui largement sensibilisé. Je ne vous fais pas l'injure d'une énumération, c'est les titres des journaux. Le projet
de remodeler la nature n'est pas extrinsèque aux sciences du vivant ni limité aux sciences appliquées, agronomiques ou médicales. En faisant allusion au chercheur qui intègre à sa stratégie de recherche la construction d'une souris, j'ai rappelé qu'il y a dans la démarche scientifique elle-même un bricolage exploratoire, un essai des possibles qui appelle des considérations éthiques ou, comme Jean-Marie Laine le souligne à propos de la chimie, des considérations esthétiques. Aussi, les chercheurs furent-ils souvent les premiers à attirer l'attention sur les risques ou les abus de la recherche biomédicale et sur la nécessité d'une prise en charge collective de la gestion de ces risques ou du contrôle de ces abus. Ainsi, Henry Beecher, médecin américain, signalait en 1966 les risques insensés que des médecins américains avaient fait prendre à des sujets malades ou en bonne santé sous prétexte de recherche médicale et qui avaient donné lieu à des accidents mortels. Il était relayé par la presse, puis par une commission nationale créée par le Congrès américain et qui fit un magnifique travail entre 1974 et 1978. Tôt sollicité de participer à ces commissions ou conférences, les philosophes entrèrent dans le débat avec d'autres juristes, psychologues, anthropologues, etc. Les philosophes contribuèrent avec ces autres professionnels à la formation d'une bioéthique puis d'une biopolitique. Ce tournant éthique qui faisait pencher leur discipline vers une philosophie morale à laquelle leur formation les avait peu préparés fut parfois difficilement vécu par les philosophes des sciences continentaux, soucieux de garder distincts leurs investissements intellectuels d'un côté et leurs engagements citoyens de l'autre. Ce souci est légitime et il convient de lever d'emblée une double ambiguïté. D'abord, pas plus que la philosophie n'est thérapeutique, le philosophe ou l'éthicien n'est un pompier. À des problèmes neufs, on ne saurait attendre un pompier qu'on appelle pour éteindre les incendies. À des problèmes neufs, on ne saurait attendre que le philosophe apporte des solutions toutes faites. Il apporte ses qualités d'analyse. Ensuite, et cela vaut aussi bien pour le biologiste ou pour le juriste, cela vaut pour tout professionnel convié au débat escalité, il est important que le philosophe soit au clair sur les limites de son expertise et qu'il ne tire pas avantage de l'autorité ou de l'influence que lui donne sa position professionnelle pour imposer à d'autres ce que Jacques Bouvresse appelle un devoir de croyance. Individuellement, et mis à part une très, très riche littérature casuistique, les philosophes des sciences du vivant ont surtout exercé leur sagacité à l'analyse de la notion de choix rationnel et à l'investigation du rapport entre normativité biologique et normativité morale, ou l'enracinement dans la nature biologique du sens moral. J'avais prévu de développer un peu ces deux points, mais je crois que l'heure avançant, je vais sauter. Et je vais m'essayer à dire les directions de recherche dans lesquelles je me suis moi-même orientée et qui pourraient faire l'objet de futurs travaux de séminaire au Collège de France. Maurice Merleau-Ponty, dans l'avant-propos de son ouvrage « Phénoménologie de la perception », explicite la manière dont il va philosopher en suivant la recommandation de Husserl d'aller aux choses mêmes. Le corpus bioéthique, accumulé depuis une trentaine d'années, surabonde en textes normatifs énonçant ce qu'il faut faire. Codes, lignes directrices, recommandations, avis, guide de bonne pratique, etc. Ce corpus bioéthique se préoccupe assez peu de ce qu'on fait, sauf pour déplorer des inconduites,
c'est-à-dire en portant un jugement normatif. Il m'a paru intéressant d'explorer de façon descriptive l'écart entre les normes et les pratiques, soit par la voie montante en cherchant comment la prise en compte des situations concrètes fait évoluer les normes. Une norme morale peut-elle être invalidée, rendue obsolète ou réfutée par les faits ? Soit par la voie descendante, en étudiant l'influence de normes qui venaient d'être formulées et la manière dont cette formulation modifiait le comportement des gens. Dans un cas comme dans l'autre, le travail ne peut être réalisé qu'à plusieurs. J'explore donc en même temps la faisabilité d'un travail collectif de phénoménologie empirique, si j'ose dire. La seule tentative à laquelle j'ai participé d'une étude par la voie montante, celle qui montre l'émergence des normes à partir des pratiques, était l'analyse par un comité d'éthique dit « indépendant » de son propre apprentissage, c'est-à-dire de la manière dont il a modifié ses attentes éthiques au fil de 3 essais thérapeutiques multicentriques incluant plusieurs milliers de personnes contaminées par le VIH. Ce travail a été publié. Une équipe travaillant actuellement sous ma direction par le chemin descendant, celui où on étudie l'influence des normes à mesure qu'elles envahissent les pratiques. Une équipe travaillant donc par ce chemin descendant étudie la manière dont la loi française de 1988 sur la protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale, loi qui promeut une idée de ce que doit être la recherche sur des sujets humains, la manière dont cette loi a modifié la relation investigateur-sujet en modifiant la façon dont les acteurs de la recherche, promoteurs, investigateurs, sujets de recherche, membres de comités, se constituent réciproquement ou ne se constituent pas comme sujets normatifs. Le philosophe s'intéresse ici à la concrescence d'une idée, c'est-à-dire à la façon dont une idée théorique de la recherche scientifique prend corps dans l'habitus concret des acteurs de la recherche. L'assistance publique Hôpitaux de Paris ayant montré de l'intérêt pour cette étude, j'espère que le travail en question aura un prolongement. Puisque j'ai parlé de l'écart entre les normes et les pratiques, que je m'intéresse spécialement à la manière dont cet écart est comblé dans un sens ou dans l'autre, à ses fluctuations, aux influences réciproques, je conclurai sur une observation relative à la temporalité en philosophie. En philosophie, on voudrait énoncer des vérités universelles et permanentes. En philosophie des sciences, on essaie plus modestement d'analyser des aspects d'une science en train de se faire à un moment donné. Lorsque la philosophie des sciences se penche vers la morale, elle doit à la fois prendre en compte le caractère évolutif de la recherche scientifique, mais aussi la dépendance de l'éthique concrète à l'égard de la bonne volonté des acteurs. Or, la bonne volonté est sujette à l'érosion. Ainsi, les États-Unis, qui s'étaient montrés précurseurs dans la formation d'une éthique de l'investigation scientifique sur l'être humain et dont le système a servi de modèle à beaucoup d'autres, les États-Unis ont dû ces années-ci remettre en question leur manière de réguler l'expérimentation humaine lorsqu'il s'est révélé à l'occasion des essais de thérapie génique que de graves négligences scientifiques et éthiques avaient entraîné des accidents mortels. Aussi, ne peut-on pas estimer qu'un problème de bioéthique est réglé une fois pour toutes ? Chaque génération a la tâche de les reprendre patiemment, inlassablement, ainsi va la vie. Je vous remercie.